Aujourd'hui, je te parle des 5 choses importantes auxquelles tu dois penser avant de te lancer en tant qu'artiste. Salut, moi c'est Fanny Duhaime, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Et pour réussir ça, ça te prend à la base 5 choses essentielles auxquelles tu dois réfléchir. Il y en a bien d'autres, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ces 5-là. Premièrement, as-tu défini ton nom d'artiste? La plupart des artistes se promouvoient avec leur propre nom. Comme c'est mon cas, je me promouvois en tant que Fanny Duhaime, artiste peintre. Mais beaucoup d'autres utilisent un pseudonyme, comme par exemple Rio, Corneau, Vigo, il y a aussi Berco. Puis là, je suis en train de réaliser qu'ils finissent tout en haut, mais c'est pas nécessaire que ce soit le cas pour le tien. Donc, libre à toi de décider si tu veux te promouvoir en tant que ton nom ou te choisir un pseudonyme. Il faut que tu détermines ça avant de commencer ta promotion et aussi savoir que ça va influencer ta signature. Ensuite de ça, tu dois te faire un site internet. C'est la base. C'est là que les clients, les galeristes et tes futurs contacts d'affaires vont aller pour en savoir plus sur toi. C'est entre autres ton portfolio virtuel. C'est pas compliqué à faire si t'en as pas en ce moment. Je t'invite à visionner ma capsule sur le sujet en cliquant juste ici en haut. Une fois que ton site internet est fait, tu dois décider à l'aide de quels réseaux sociaux tu vas te promouvoir. De nos jours, c'est avec ça que c'est le plus efficace. Pour ma part, j'ai commencé avec ma page d'artiste sur Facebook et tranquillement, je commence à travailler avec Instagram. Je te conseille de commencer au maximum avec 2 réseaux sociaux, idéalement en maîtriser un vraiment bien avant d'en commencer un autre, mais pas plus que 2 parce que c'est beaucoup de temps à investir parce que pour que ça marche, il faut que tu aies une très bonne constance de publication. Quand tout ça s'est décidé, que tu as ton nom d'artiste, ton site web est fait et tu as décidé avec quel réseaux sociaux tu vas te promouvoir, tu peux maintenant te faire tes cartes d'affaires. Donc tu vas mettre sur ta carte toutes ces informations-là et tu peux aussi ajouter, si tu veux, ton numéro de téléphone ainsi que ton adresse courriel. Une autre chose sur laquelle tu dois réfléchir et qui va influencer tout le reste de ta planification, c'est quel est ton objectif de carrière. Par exemple, est-ce que tu veux être représenté par des galeristes tout autour du monde ou si tu préfères te représenter par toi-même et parcourir ta région en participant à plusieurs expositions. De savoir ça dès le début, c'est important parce que tu vas pouvoir orienter toute ta stratégie dans le bon sens. Je reste disponible si tu as des questions sur l'un ou l'autre de ces points. Tu peux me laisser ta question ou ton commentaire juste ici sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu as aimé la capsule, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des capsules à venir. Merci beaucoup pour ton écoute. On se voit la semaine prochaine.